Un matin du 4 juillet 1054, des gens du monde entier assistent à un spectacle extraordinaire. Une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. La nouvelle étoile était si brillante qu'elle est restée visible en plein jour pendant 23 jours et visible à l'œil nu, de nuit, pendant 20 mois. L'apparition est rapportée dans le monde entier. On a des dizaines de témoignages écrits ou peints qui racontent cette histoire, en particulier en Chine, au Japon et dans le monde arabe. Un de mes témoignages préférés se trouve dans le Kidan Guozi. C'est un recueil qui relate l'histoire du peuple Kitan, un peuple nomade du nord de la Chine et de la Mongolie. Et qui nous dit « Ère Chongzi du règne, 23e année, 8e mois lunaire. Le maître du royaume est mort. Auparavant avait eu lieu une éclipse de soleil à midi, et une étoile invitée était apparue à Mao. Le grand officier du bureau d'historiographie, Liu Yishu, avait dit « Ce sont des présages annonçant la mort du roi. Cette prédiction s'est en effet réalisée. » Coïncidence ? Totalement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là? Qu'est-ce que les Kitan avaient vraiment vu? Pour comprendre, il faut savoir que la vie d'une étoile est dominée par sa masse. Plus une étoile sera lourde, et plus sa vie sera brève. Brève, mais intense. Prenons le cas d'une étoile de 10 masses solaires, 10 fois la masse du Soleil. On l'a vu dans le premier épisode, les étoiles sont des usines à fabriquer des éléments. Les éléments les plus légers fusionnent pour donner des éléments de plus en plus lourds. Du fer que vous avez dans votre sang à l'oxygène que vous respirez en passant par le calcium qui constitue vos os, le tout a été forgé au cœur d'une étoile massive il y a plusieurs milliards d'années. Il y a quelque chose de très profond et poétique dans cette idée qu'on est tous littéralement des enfants des étoiles, des poussières d'étoiles. Vous trouvez pas? Toute cette cuisine des éléments se passe dans le cœur de l'étoile. Et dans une étoile massive, le cœur va se structurer en couches, comme un oignon, avec les éléments les plus lourds, comme le fer au centre, et les éléments les plus légers, comme l'hélium ou l'hydrogène, à la périphérie. Sauf qu'on a un léger couac. Il se trouve que le fer, c'est l'élément le plus stable de l'univers. Mettez-lui toute la pression et toute la température que vous voulez, il fusionnera pas. Un point, c'est tout. Rien ne l'obligera à le... faire. Mais alors, d'où est-ce qu'ils viennent, tous les éléments plus lourds que le fer? Eh bien, il va se passer un truc incroyable. Parce que si la fusion ne produit plus d'énergie dans le noyau, l'équilibre entre la gravité de l'étoile et la pression qui soutenait ses couches de gaz est brisé. Il n'y a plus rien pour s'opposer à la gravité. Et effectivement, il va arriver un moment où le cœur de fer va atteindre une masse critique. Et là, tout s'accélère. En une fraction de seconde, le cœur de fer s'effondre sur lui-même, violemment. Il passe de quelques milliers de kilomètres de diamètre à quelques dizaines de kilomètres, de manière quasi instantanée. Tellement rapidement, en fait, que les couches du gaz du dessus, que le cœur de fer soutenait jusqu'à présent, vont mettre un moment avant de se rendre compte qu'il n'y a plus rien en dessous. Mais inévitablement, les couches externes vont se jeter à toute vitesse sur le mini-cœur de fer. Sauf qu'au bout du chemin, elles vont littéralement buter sur un mur de fer quasi indestructible. Du coucou vont faire les couches de gaz. Elles vont rebondir, bien sûr, et c'est là que ça devient violent. Parce que, par un mécanisme encore mal compris à l'heure actuelle, l'étoile va alors exploser de façon dramatique, cataclysmique, n'importe quel moment hic. L'étoile va se transformer en ce qu'on appelle une supernova. La puissance libérée est phénoménale. Pendant plusieurs semaines, cette explosion sera plus brillante que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Une explosion plus lumineuse que 200 milliards d'étoiles. À côté, toute la filmographie de Michael Bay, c'est un pet mouillé. What the fuck? En fait, l'onde de choc va être tellement puissante qu'elle va accélérer les particules à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière. Et paf! Les collisions vont permettre aux atomes de fusionner une dernière fois pour donner tous les éléments plus lourds que le fer. Et ouais. Le cuivre de nos câbles électriques, l'uranium de nos centrales nucléaires, le magnésium de nos chocs à pic, les 94 éléments naturels qui ont permis à l'univers de se complexifier au fil des milliards d'années, proviennent tous du sacrifice de plusieurs générations d'étoiles massives, dans un grand cycle qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui et dont vous faites intimement partie. La poésie. Mais les plus attentifs d'entre vous remarqueront que le tableau de Mendeleïev ne comporte pas 94 éléments, il en comporte aujourd'hui 118. Et vous savez pourquoi? Parce que ces éléments, c'est nous qui les avons créés, en laboratoire, et ils n'existent probablement nulle part ailleurs dans l'univers. Et je trouve ça trop classe. Voici la nébuleuse du crabe, nommée à cause de sa ressemblance évidente avec le crustacé. Elle se trouve à 6500 années-lumière d'ici, vous pouvez l'observer facilement avec un bon télescope.
et elle est ce qui reste d'une étoile dont la lumière de l'explosion nous est parvenue il y a près de 1000 ans. 1000 ans, ça vous rappelle rien? Eh oui, ce que vous observez là, c'est ce qui reste de l'événement qu'a vécu le peuple Khitan en 1054. Ils avaient assisté en direct à la mort d'une étoile massive, la même qui a aujourd'hui donné la nébuleuse du crabe. Mais qu'est-ce qui va rester de l'étoile initiale après la supernova? Eh bien, quand les couches externes débarquent à toute berzingue sur le cœur de fer, les atomes de fer sont tellement comprimés que leurs électrons pénètrent dans les noyaux, ce qui va transformer les protons en neutrons. Ce qui reste à la fin, c'est une grosse boule d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, environ la taille de Paris, constituée entièrement de neutrons. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons ou un pulsar. Les rares électrons qui survivent à sa surface sont entraînés par un puissant champ magnétique et vont être violemment éjectés aux deux pôles du cadavre d'étoile, ce qui va produire des jets intenses de lumière dans son axe de rotation. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus denses de l'univers. Une cuillère à café d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et par le même phénomène qui permet aux ballerines de tourner plus vite lorsqu'elles replient leurs bras, les pulsars tournent sur eux-mêmes à des vitesses vertigineuses, pouvant aller jusqu'à 1000 rotations par seconde, avec la régularité d'un métronome. Peut-être qu'un jour, ces phares cosmiques guideront nos navires interstellaires à travers le cosmos. Qui sait? Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Des questions sur les supernovae, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le hashtag le Sense of Wonder, je répondrai à quelques-unes dans le prochain épisode. Je tiens à vous remercier infiniment pour le démarrage assez miraculeux que vous avez offert à notre chaîne, vos retours sur notre premier épisode ont été absolument fantastiques, et vous avez été très nombreux à me poser des questions. Voyons ce que vous aviez à dire sur la mort du Soleil. Anthony et Sam me demandent quel sera le destin des planètes du système solaire, et en particulier de la Terre, après le déclin du Soleil. Et bien, la question a fait l'objet d'un article, paru en 2008 dans le journal MNRAS, qui conclut « Pour Mercure et Vénus, ben c'est bien simple, elles sont juste trop proches du Soleil, hein, donc elles vont se faire dévorer par l'étoile quand elle se transformera en géante rouge. » Mais pour la Terre, qui est plus loin, l'histoire est un peu plus complexe. Parce qu'en gonflant, le Soleil va perdre environ le tiers de sa masse sous la forme de vent solaire, ce qui aura pour effet d'éloigner les planètes de notre étoile. Moins de masse, moins de gravité. Et donc pendant un moment, la Terre va se retrouver à peu près au même endroit que Mars, aujourd'hui. Mais dans environ 7,5 milliards d'années, à cause des effets de marée et de la friction du gaz environnant, la Terre va quand même finir par se rapprocher et se faire engloutir, inévitablement, par le Soleil mourant. Fin de l'histoire. Parfois, Mad Dog demande si la vie pourrait apparaître sur les autres planètes du système solaire dans plusieurs milliards d'années, lorsque la Terre sera trop chaude pour accueillir la vie. Ben en fait, tout dépendra des efforts que nos descendants voudront bien y mettre. Mais bon, de toute façon, dans 6 milliards d'années, le Soleil sera juste trop brillant et le système solaire tout entier sera trop chaud pour maintenir de l'eau à l'état liquide. Par contre, il existe une zone au-delà de Pluton, constituée exclusivement de milliards de blocs de glace qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et qui sera à cette époque pile à la bonne température pour que la glace fonde. Imaginez des gouttes d'eau géantes de centaines de kilomètres de diamètre dérivant dans l'espace, stables pendant des centaines de millions d'années, remplies de composés organiques. Qu'est-ce qui pourrait bien évoluer là-dedans? La question reste ouverte. Ce mois-ci, mon conseil de lecture, c'est L'univers à portée de main, de Christophe Galfard. Alors le livre se présente comme un voyage à travers l'univers et à travers l'aventure intellectuelle de la physique théorique pour tenter de le comprendre. Alors ça vient de sortir, c'est super accessible et c'est que du bonheur. J'ai eu la chance d'en discuter personnellement avec l'auteur dans le super podcast Lisez la science de David Bouvreiro. Je vous mets le lien vers le podcast et les références dans le doobly-doo. Allez, à bientôt !